les hasards du calendrier font que nous fêtons ce soir les 60 ans de Bonjour Tristesse et les 5 ans du prix Françoise Sagan. Il est vrai que Bonjour Tristesse n'a pas pris une ride. On pourrait croire que ce mince roman fut porté par les éclats et les tourbillons dès sa sortie, mettant sans dessus dessous, en quelques 188 pages, un bon nombre de pensées des jeunes filles de sa génération. Ce tourbillon a bien duré quelques mois, mais je ne croirais pas que c'est un livre qui engendre de solides fessées aujourd'hui, comme ce fut le cas à l'époque. Outre les critiques influentes du moment, qui trouvèrent le livre éminemment distrayant, vif et bien écrit, François Mauriac, pour qui le talent éclate dès la première page, le livre a toute l'aisance, l'audace de la jeunesse sans en avoir la vulgarité. Et d'ajouter que Madame Sagan n'est en rien responsable du vacarme qu'elle déclenche. Pour elle, justement, pour ma mère, qui relut Bonjour Tristesse bien des années après, c'est un livre à la fois instinctif et roué, usant de la sensualité et de l'innocence à parts égales. Mélange d'étonnant aujourd'hui comme il le fut hier, il est rapide, heureux et bien écrit. Ce qui est le plus heureux aujourd'hui, c'est que ce roman dont nous fêtons ce soir l'anniversaire continue d'intéresser les jeunes générations et d'émouvoir ses premiers lecteurs. 60 ans après, il éveille toujours la curiosité, l'admiration et encore parfois quelques scepticismes. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je fus interrogé dans les réunions des salons du livre au cours des signatures par des lecteurs qui étaient toujours stupéfaits, 60 ans après, que l'on pût écrire un tel roman à 18 ans. Ou des lecteurs persuadés que la réalité du personnage de Cécile est bien celui de son auteur et que Bonjour Tristesse est un récit autobiographique. Bref, 60 ans après, Bonjour Tristesse est toujours vivant et il semble qu'il soit doué d'un léger parfum d'éternelle jeunesse. Le lauréat 2014 du prix Françoise Sagan et Julia Carninon pour Buba. Merci beaucoup, c'est très embarrassant. Merci beaucoup. Ah, c'est très bizarre, mais c'est vachement gentil. Merci beaucoup de nous penser ça. C'est le jury qu'il faut remercier. Mais c'est ce que je fais. Oui, je prends juste la parole une seconde pour dire qu'évidemment, Françoise Sagan, nous l'avons tous adorait, elle a inventé la figure de la liberté, c'est quelqu'un qui en littérature a beaucoup compté. Nous, jury, nous avons été très passionnés, on avait tout de même une quinzaine de livres de jeunes auteurs, et je peux vous dire qu'avant d'arriver à vous, et à ces lauriers qui vous couronnent ce soir, il y a eu entre nous beaucoup de discussions passionnées, et nous saluons, et je crois que Françoise serait heureuse que vous receviez ce prix. Parce que nous avons pensé qu'il y avait une fluidité dans l'écriture, une invention, et puis c'est la littérature. C'est vraiment la fascination d'un jeune journaliste, enfin d'un jeune auteur, pour une figure de la littérature qui aurait pu être Françoise. Françoise avait aussi cette cour de gens qui l'approchaient. Et nous avons pensé que le style, la musique, la fameuse petite musique, était là, que c'était un livre important. Et au nom de tout ce jury, on est très heureux que vous soyez couronnés. Merci beaucoup.